Chers amis de Business Marketer, j'espère bonjour. Nous sommes présents en ce jour du 21 juin 2018 à Niamey, à l'hôtel Gawé, qui est un complexe 5 étoiles qui abrite très souvent des événements institutionnels organisés par des structures de la sous-région ouest africaine. Nous sommes dans le hall d'entrée et nous vous faisons donc découvrir ce majestueux établissement très accueillant, qui abrite en ce moment même une réunion organisée par l'UMOA, une réunion des ministres des Transports et Infrastructures Routières, quant à l'application du règlement 14. D'autres institutions comme la Banque mondiale, comme le PNUD, comme certaines agences du système des Nations Unies couvrent des événements ici. Voilà, donc l'hôtel Gawé de luxe. Voilà. Qui dispose d'un restaurant poutinière, d'un bar américain, d'un barbecue, d'une pizzeria, d'une piscine. Nous vous faisons remarquer un peu tout ce qu'il y a comme, on va dire, attraction au sein de cet hôtel. Voilà, des salles de réunion, des salles de jeu, un bar, une salle de buffet pour les dîners, des salles de divertissement, une piscine et bien sûr des produits artisanaux. Voilà, vous avez donc ici une plaque signalétique qui guide tout un chacun quant à la ville de Niamey et également quant à tout ce qu'il y a comme attraction touristique et services, donc société de services. Voilà. Nos remerciements vont à l'endroit de la Manutention africaine du Niger, de BIA Niger, de BINCI, de la BESIC, de Suntel, de Oil Libya, de SIN, de la BRS, ancienne BRS, de SDV, de Excellence, la marque de cigarettes, de Widi, de Ugan, de Sommer, de EcoBank, également de la BIDC, à travers donc la banque de la CDAO. Voilà. Donc nous sommes présents au sein de l'hôtel Gawé. Voici la banque de la CDAO qui est donc représentée ici à travers notre atelier. Donc la BIDC appartient aux 15 États membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée en 1975, au même moment que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les opérations de la banque ont démarré en 1979 en tant que fonds de coopération, de compensation et de développement de la CDAO. Donc à travers le fonds de la CDAO. La BIDC sert environ 300 millions de citoyens de la CDAO. Elle est le partenaire majeur pour les programmes d'intégration régionaux et de mise en œuvre de partenariats publics-privés dans les États membres. Les principales activités de la BIDC sont le développement du secteur public, la promotion du secteur privé. Il faut dire aussi qu'au niveau des instruments financiers, elle est spécialisée dans les emprunts obligataires, dans la souscription au capital, dans le financement direct, dans l'ingénierie financière, dans les garanties, les lignes de crédit, la gestion de fonds spéciaux et le trade finance. En termes de projets réalisés, la BIDC est actionnaire fondateur de EcoBank Transnational, initiateur du Fonds africain des hydrocarbures et des énergies renouvelables. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir pour plus d'informations.